On commence par dire bonsoir. Bonsoir à la vidéo. Bonsoir au public absent, puisqu'il n'y a personne à part les membres du clan. Je vous rappelle que c'est la soirée ouverture, donc on est censé avoir du monde. Il y a où est le public ? Où sont les fans ? C'est pas encore ouvert au public. Où est la foule en délire ? Ouais, je relance pour ouvrir. Par contre, il y en a qui avaient des skins pas terribles. Là, ils ont tous leur mis sur leur 31. Tu vois ça ? Franchement. Ouais, c'est... Moi, il n'y a que sur Minecraft que tu me verras avec un costard. Hein. Par contre, avec la barbe, oui. Ah, ça, c'est fidèle. Souci du détail, je vois, ouais. Attention, je suis là. On met un beau discours. Et le discours, alors ? Ça sent bon. Elles sont où, les secrétaires ? Vite, vite. Elle est où, Monica ? Monica, elle est où, Monica ? Ça, c'est quoi, ce screen-là ? Oh, bah, tu prends ton ticket. J'ai pas le droit. Donc, Non, mais nous non plus, t'inquiète pas. Je vais chercher les cigares dans le bureau du maire. Dans une mairie, s'il n'y a pas le bureau du maire. Bon, là, c'est pour les mariages. C'est qui l'architecte qui a foutu des fenêtres, des escaliers devant les fenêtres ? Encore une histoire de gros sous, cette affaire de marché plus pour construire la mairie. Le bureau du maire, au moins, on peut pas dire qu'il a mis tous les sous dedans. Ah, il y a une belle estrade. Hein. Mais non, ça c'est la salle du mariage, avec une estrade. Ah ouais, mais non, c'est pas là, c'est au-dessus encore, là, le bureau du maire. Bah, c'est sobre, quoi. C'est pas mal. Ah oui, non, mais c'est ce que je dis, au moins... ça y est, il nous refaisait son discours, là, tout le monde est parti. Ah là là, le fail. Marcher sur la table, c'est pas bien. On va causer, quand même. Exceptionnellement. T'as une drôle de façon de t'asseoir. Lève un bras pour voir. Putain, il fait des trous. On va chez Spling. L'autre il triche. Je ne triche pas, je fais des plans. Je filme. Il fait son Spielberg. Bénix est tout droit. Non mais il profite, il admire. Ouais, parce que là c'est vrai que vous entamez direct au fond de la ville alors qu'on vient de passer devant plein de bâtiments. Après on ira voir la pomme. Bah ouais, en fait c'est pour ça qu'on va par là. Bon, Fred, je t'attends. Tu viens filmer ? Je suis là. Donc, bienvenue chez Spring. Ah, et voilà, c'est chez moi, faites la visite. On a perdu Bénix. Ah, TP-le. Non, mais il s'est déconnecté. Bah, tant pis, TP-le quand même. Qu'est-ce que t'as voulu faire là, Oui, un petit seul le concept. Non, le concept, ouais, hein, cela c'est plus un style, hein, c'est un concept. Hein. C'est conceptuel, c'est le mot. Oh, je voulais faire un truc qui sorte un peu de l'ordinaire, quoi. Je pense que c'est réussi. Ouais. Par là, il y a la cave. Ouais, mais c'est pas la cave là. Ah, oui. Et on peut enfermer les gens dedans, c'est bien. Ton appartement, moi jamais. Non, moi non plus. Et tout. Hop là. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est les appartements. Et par là, ouais. Ah oui, c'est cossu. C'est assez sympa, et ce que j'aime beaucoup, c'est des lits. Donc ici, il y a la salle de bain. Ah, les rideaux en feuille. Ouais. Là, là, le lit, superbe, quoi. Très romantique. Et oui, t'as vu mon skin, quand même. Ouais, tu remplaces les oriques. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a juste le tableau avec les deux ninjas, là, ça fait un peu bizarre, ça cale pas. Ça commence pas très bien avec le décor romantique. Ouais. T'habites dans une cave, quand même. Bah ouais.
Pourtant, les gens, on les laisse libres de faire ce qu'ils veulent et ils vont s'enfermer dans des caves. Ça reste une cave. Sous sans bouteille, sans rien à boire, ce qui pour certains. Ah bah, heureusement que TK n'est pas là. Il aurait pu venir. Ah non, il est en déplacement. Il est pas mal, mais t'as oublié l'antigel, c'est dommage. Ouais. Il n'y a plus de feu dans ta cheminée. Ouais. Non, je l'ai pas mis parce que comme Gamou l'a dit au secours, ça fout le feu et que j'ai besoin de le faire une fois, c'est bon, j'ai déjà. Là, celui-là, c'est bon, c'est une vraie cheminée. Ça dépend ce qu'il y a en dessous. Bon, si on essaie de mettre le feu, j'ai route mode pour voir si ça brûle ou pas. C'est un bon test. Je suis même pas là, je sais pas où je suis. La mini-carte, elle me sert à rien, je connais pas la région. Ouais, je vais te TP pour que tu puisses voir en direct. Là, on va mettre un villageois dans la cheminée. Attends, mais je cherche mon briquet. C'est où sur votre route? Je trouve ma maison. Mais en forêt. C'est derrière les arbres, tu peux pas trouver. C'est à la campagne, quoi. Ah, c'est gentil. Je te vois pourquoi pas, il mais... est partout. Hein. Voilà, regarde, on fait un barbecue chez toi. Non, c'est quoi l'espèce de bestiole? Un PNJ. Ah mais du coup je peux pas allumer. C'est un habitant. Oh la tronche. Du coup on a plus la mini-carte. Si. Activé. C'est malin, il a vu des péter la cheminée là. On empêche, c'est bon, tu vois, le feu tient chez toi, Rockmoot. Non, regarde, ils ont fait ça. Oh, le barbecue, ouais. Au passage, admirer à droite la maison de Gamoul. Le manoir. La maison, c'est un peu petit. Bon, on était là, juste. Voilà, était... c'est plus une maison. Hein. Ouais. On était sur la bonne rue pour aller voir le logo, sinon. Ah oui. Bah, on y va. Pour l'extérieur. Ah, c'est plus un tramuré alors. Oh, c'est beau. Gloire à Steve. Oh. Un moment de recueillement. Alors, une minute de silence. Ouais, minimum. C'est pour ça qu'il y a toutes les bougies autour. Il y a les mobs qui sont un peu... Ouais. Ça se visite pas, ce truc-là. On regarde autour, mais on rentre pas à l'intérieur. C'est ça. C'est une... C'est pour ma pomme. Je vais faire un plan. C'est pour ma pomme. Et la nuit, ça clignote? Non, mais c'est joli, c'est éclairé et tout, super. La maison là qui coule partout, c'est Louis. Ça, c'est Louis, c'est normal, c'est conceptuel aussi. Non, mais elle a brûlé. Pardon, c'est pour ça que les pompiers sont toujours là. Donc, bah, on a tout le... il y a tout le quartier sportif là. Hein. Oui, bah oui, on est à côté. Là. À droite, le terrain de tennis. Donc là, à gauche, nous pouvons effectivement apercevoir le Rubik's Cube. Complexe sportif. Avec le stade de mini-foot. Watch. Il était agrandi, le stade. Qu'on y colle des PNJ, tiens.
Superman est passé, il nous a sauvés. D'un côté, la patinoire, de l'autre côté, la patinoire fondue, donc la piscine. N'empêche, avec tous les équipements sportifs surdimensionnés, j'ose pas imaginer les finances publiques, tu vois. Ah non, moi j'allais dire au contraire, les habitants super musclés, buraqués, font des sports. En fait, tous les bâtiments sont tout neufs, personne n'est utile. C'est bizarre. Voilà, la ville est endettée pour au moins 250 ans. Non, on n'a pas perdu le triple A sur Minecraft, tout ça. Ouais, faut utiliser tout hein, pour et classe quand même, franchement, ouais. Donc là, vous avez fait un truc et puis vous avez copié avec des outils adéquats ou... Moi, c'est Tipeee qui a fait tout seul. Mais... Ouais, c'est ça, tu fais une cabine de douche et tu la reproduis 12 fois. Ah. Ouais. Fred, je suis dans la douche avec toi. Bah voilà, c'est... je ferme la porte derrière vous. Allez-y. Je préférais de Fred. Allez-y, vous êtes filmé. Par contre, tu t'arrangerais avec Tsukama hein, parce que c'est lui qui a l'exclusivité normalement. Ah, je saute. Voilà. Ah bah oui, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'il y a toujours les vaches? Il y a toujours les vaches. On n'arrive pas à les tuer et elles restent tout le temps là, les deux. Elles se reproduisent pas. Ah tiens, on va essayer de les reproduire. Normalement, on n'est pas censé passer par là, bien sûr. Ah, bravo. Puisque là, vous arrivez dans le coin des joueurs avec le petit lobby d'avant-match. À votre gauche, les vestiaires. Ouais, puis on est sorti du coup. Voilà. Et à droite, à nouveau des douches et la table de massage. Fred, les douches. Vite. Attends, il y a la table de massage. Elles sont là, les douches. Avec les douches façon. Façon gamoule, avec un joli piston. Hop là, il y avait un piston. Aïe. Ouais, puis du coup, vous n'avez pas vu, il y a quand même un petit. Forcément, un petit bar. On n'en a vu aucun bar. Oui, on n'a pas vu de bar encore. Bon, ça va venir. Donc, le premier est ici, du coup, le premier d'une longue liste. Un tout petit bar avec. Quelques tables pour s'installer. Et éventuellement, une petite promenade. J'aménagerai peut-être encore 2-3 tables ici. Histoire de. C'est plutôt un jardin, enfin un truc pour faire du camping. Oh bah non. Par contre les PNJ se promènent, alors j'aurais bien mis un PNJ derrière le bar, mais il va ce coin là. We'll be right back.
Ouais, il en manque, il y a eu des mises à jour. Moi je kiffe quand même les trucs anti-vol pour le magasin d'escalier. Des fois qu'on reparte avec un escalier sous le bras, qu'on n'aurait pas payé. On sait jamais. Comme j'ai dit, s'ils viennent piquer l'idée ou le concept, ça sonne quand ils veulent sortir. Ah ouais, c'est un vendeur d'escalier, la boutique escalier. C'est bien ça. C'est l'œuvre de qui? C'est Drake. Like. Ah bah bravo. Non mais c'est bien hein. Comme ça, ça donne des idées. Par contre, je suis désolé pour les jeux de mots à chaque fois. Ouais. Je peux pas m'en empêcher. Et dans tous les cas, on... T'inquiète, on a l'habitude avec toi. On y trouvera la concierge. Colimaçon, d'accord. C'est un problème de l'imbago, Fred? Oui, non, mais c'est pour filmer doucement, parce que ça va trop vite. On va avoir mal de mer en regardant la vidéo. Donc j'avais un grand espace et je voulais des idées d'escalier. Puis tu peux pas mettre un grand pichet. Non, c'est allongé par contre. Alors on va aller voir où ça. Fais des toutes une par une. Ça, c'est la banque. Distributeur de billets, excellent. Ouais, la tête de mort, c'est sympa dans la banque. Ouais, ça reflète bien le... Ça fait envie. Ça reflète bien la boutique, quoi. Ça me décoffre. C'est marrant quand t'accueilles les clients. Qu'est-ce que tu veux, tête de mort? Messieurs, je vais vous laisser parce que j'ai une rude journée demain. Attends, c'est quoi une rude journée pour toi? Tu travailles? Ouais. Ah bah tu sais que nous aussi hein. Ah, y'a de la musique. Ouais, y'a de la musique. Moi j'ai un vrai métier moi. D'accord. Donc là Fred, il faudra que tu montes après. Donc vas-y, continue les musiques. Bonne nuit Rookmoot. Bonne nuit Rookmoot. Merci beaucoup. Et à demain. À bientôt, soyez sage. Toi aussi. Très sage. Ah, c'est bien. C'est mieux maintenant que la musique est pour tout le monde. Ouais. Donc ça c'est quoi déjà? C'est Darty ça? Non, c'est pas Darty. Ah, ça c'est Darty Clan. C'est Darty Clan. Dernière génération. Hein. Ah, le frigo en diamant, c'est quand même. C'est joli, ça change. Ouais. C'est miroir. Frigo, moi je voudrais un frigo rouge. Ah bah sans problème. C'est un peu bling bling quoi. Ça se commande mais que sur catalogue celui-là par contre, ils l'ont pas en boutique. D'accord. En showroom. Les machines à laver, les cuisinières et les chaînes Wi-Fi. Bon, les chaînes Wi-Fi, c'est pas le dernier cri. Non. C'est pas encore ça. Monsieur le vendeur. Il y a un vendeur d'Arty. Je voudrais un contrat de confiance, s'il vous plaît. Vu sa tête, faites-moi confiance. D'ailleurs, ça y est, il a rendu son tablier, il s'en va. Licencié. Direct. Donc, t'as les derniers ordinateurs, ouais, à double écran, les télévisions, écran plat. Les luminaires. Lumines. Création originale de Fred Extra. Je signe mes œuvres. Bah, tu fais bien. Et pour ceux qui seront tentés par l'ouverture d'une boutique, il reste encore des emplacements libres. Il y a déjà des parties. Équipé de détecteurs, ouais. Tout à fait. Pour éviter qu'on vole ce qui n'est pas dedans. Au moins la boutique est prééquipée. Alors là, on enchaîne. C'est pas fini, hein. Là tu as le jukebox. Bah t'as toutes les musiques qui existent. C'est un jukebox. Ah d'accord. Vendeur de disques. C'est toujours les mêmes. Non. Un disque différent par boîte. Excellent.
Et si tu continues, tu as une boutique sur la magie. Ah, joli. J'aime bien. Qui s'appelle la Magistrale. Oh là 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 là. Dans lequel vous trouvez tous les articles utiles pour faire de la magie. Pour faire de la magie. Le dernier chaudron a été. T'as même des splash potions of farming. Voilà, il y a même déjà des potions prêtes à la vente. Très joli. Qui sont juste des potions de malfaisance, donc à ne pas laisser entre les mains de n'importe qui. Donc on va pouvoir faire laguer le métro, tiens. Superman avec une épée en kryptonique, il y a un problème. Hein. Création originale de Fred X-Tran. Absolument. Très mignon. Il y a toutes les formes de fleurs. Oui, et puis les stupes sont passées parce qu'ils ont vu aussi des champignons à vendre. Chez un fleuriste, ils ont trouvé ça un peu bizarre. Ah oui. D'ailleurs, ils sont mis sous clé, les champignons. Hein. C'est des hallucinogènes, donc pas que les enfants y touchent. C'est pas mal le lierre. C'est pas mal, hein, ça fait. Le lierre qui descend, là. Oui. Tu peux pas le faire tout de suite, ça pousse tout seul, hein. Ouais. C'est sympa aussi le vert, le poids vert. La laine verte, c'est sympa. Pâtisserie, bien sûr. Ah bah oui, ça manquait. C'est comment ça s'appelle? La pâte, la hisserie. Y'a pas que moi dans les jeux de mots, heureusement. Et donc, ça c'est pas toi, celle-ci? Non, celle-là c'est pas moi. C'est je croyais. Ça doit être de la famille, mais c'est pas moi. Pas mal la petite porte. Porte en verre ouverte. Ouais, ça aussi c'est pas mal. Par contre, tu peux ressortir, piquer tout ce que tu veux, y'a pas de détecteur. C'est des portes détecteurs. En même temps, dans une pâtisserie, c'est quand même assez rare. Hein. J'attendais l'avis de l'expert, effectivement. Bon, allons prendre le métro, parce qu'en fait, ça fait une demi-heure que... le bowling. Il manque le e-book, la boutique de livres. Ah oui. Et le bowling, effectivement. Ah, le bowling, oui, juste à côté. J'ai pas vu le bowling. Fait ça alors. Petit gac, je crois. Je sais pas pourquoi tu demandes, hein. Il y a un bar. Bah, alors, non, c'est AK, alors, excuse-moi. Bah, non, c'est pas le bar, c'est le truc où tu viens faire la consigne pour les chaussures et tout ça. C'est-à-dire que c'est la bibliothèque universitaire ici. Il y a moins de budget, tout ça. Et avec donc d'un côté évidemment les livres et de l'autre côté la salle de lecture. Ouais, donc ouf, quand on arrive au dernier étage, on a un joli restaurant et un bar. Oui, on arrive, ça va. Ouais, et puis tout en haut évidemment la terrasse panoramique. Deuxième entrée sur le boulevard et ton. Je sais plus quoi d'ailleurs, il y a la place. Ah non, il y a rien, là, tu peux faire une entrée. D'ailleurs, on peut.
tu peux pas rentrer. En plus, elle était plus en face de ton petit truc d'accueil que l'autre derrière. Donc, à mon avis, tu peux condamner l'autre et puis ouvrir celle-ci. Si c'est ouvert. Non, attention, parce que là, il y a un vieux jeu de mots. Hein. Vert, métal en feu. Du vert, du métal, du feu. Vert, métal en feu. C'est fou. Qu'est-ce qu'il est, c'est bien. C'est pas une histoire de plagiat avec les Tetris aussi. Si. Si, si, si. Bon, ah bon. Ouais, mais je l'avais dit au moins une semaine avant. Oui, c'est vrai, je suis témoin. Il me l'avait prévu, Aka, qu'il allait faire un Tetris. Il m'avait pas dit qu'il allait le faire, je crois qu'il faisait une partie, moi, chez lui. C'est moi qui l'ai fait. Bon, il a été corrigé par... par cette Mac, parce qu'au début je l'avais fait en étant persuadé de ne pas avoir fait une seule ligne et en alors qu'en fait il y avait pour dire que je connais un petit peu le jeu. Bien sûr. Donc là il n'y a pas de ligne, donc c'est vraiment une partie game over. Bon, on va où? Là, pour monter aux étages, il y a des petites choses à voir. Ouais, il y a le commissariat. Ouais, je pense honnêtement, si on veut, on peut faire une vidéo par bâtiment, hein, ouais. Quasiment. Le commissariat. Pôle de police, bien sûr. Et donc, le commissaire principal, c'est monsieur Tsukama. Il a son bureau. Bon, elles sont où, les douves des catacombes? Ah, je vois qu'il y en a qui ont beaucoup réfléchi ici. Ils ont utilisé de la cellule grise. Ah, c'est l'ordre, c'est bon, c'est libéré. Le bureau. Ils sont pas encore équipés informatiques Non, attends. Ils ont que deux doigts, qu'est-ce que tu fasses avec un clavier? Ah oui, c'est pour les auditions. Ah merde, j'ai planté quoi là? Le parloir. J'ai planté un champignon, enlevez-moi ça. Dans le dos ou il est où le champignon? Là, devant toi. Ah oui. Hop, plus de champignons. Tu vois, c'est pas mal la glace pour faire du verre. J'avais vu ça aussi. Bon alors, Superman, interrogatoire. Est-ce que c'est toi qui qui y a? Fiez-vous. Ah bah tiens, voilà. Ah bah, bon bah, vu sa tête... Je l'ai déjà vu quelque part, lui. On a tu vas parler, oui. T'as pas fait la salle où on les passe en revue, là? Où là, les témoins disent « c'est le numéro tant ». Ah oui. Ça porte un nom, ça. Bloc, voilà. C'est réparé, c'est quand j'ai un petit peu tapé sur le suspect pour le faire parler, que je vais casser le bloc que t'es derrière. Bon allez, maintenant on va voir quoi. Il faut l'enfermer. C'est qui, celui-là que... Bah, c'est... il t'a dit bonjour, on arrive. Mais je dis rien, moi. C'est Bast. Ah, il est joli. Qui arrive sur Mumble, d'ailleurs. Il est joli, Bast. Il est beau, son ski. Je viens de mériter le coucher de soleil sur l'avenue Steve Jobs. Ils sont vides, les coffres. Il y a triche. Ouais, on les met pas dans ce sens là. Peut-être un peu petite l'entrée du Hitlesto, non? Une grande entrée avec des portiques qui sonnent. Ah, y'a de la moquette. Tu veux les breveter tes portiques ou quoi? Bah ouais. Il y en a plus, je touche des royalties moi. Je sais pas quoi. Bon, une fois que je trouve un truc bien. Pourquoi t'as fait des portiques? Bah, des portiques dans les boutiques. Et donc, mais ils sont vides les coffres. Il y a triche. Alors, premier étage, pierre. Comment on monte? Par l'escalier. L'escalier, c'est mieux.
Donc là, c'est l'étage de Pierre. Je sais pas, ça doit être un vendeur. On sait pas qui c'est Pierre. Ah oui, c'est pour vendre des cailloux. Ah, je vous le teste, ok. D'ailleurs, les coffres sont vides aussi, donc. C'est fou, ça. Je sais pas qui est passé pour dévaliser le truc. Toi, il y avait pas de portique de sécurité, donc tu t'es fait piller. Privé. Ah oui. Qu'il y avait des petites sculptures à l'entrée. D'art moderne, emprunté au musée d'art moderne. D'accord. Une exposition ici pendant un temps. C'est une annexe aussi. Putain, mais il y a des annexes partout. Il y a toujours de la musique là? Excellent. Juste de la mettre en haut, c'est tout. Ah oui, d'accord. Des toilettes. Il y a encore des toilettes, ouais. Ouverture automatique. Pratique si quelqu'un est dedans. Oui, mais c'est des grandes toilettes. Ah oui. Ah non, il y a sur les petites aussi. Hein. Ah oui, c'est des toilettes avec vue sur l'eau en dessous, c'est pas mal ça. Voilà. Ça, tu vois tes excréments tomber dans l'eau. Salle de concert. Concert, spectacle, tout. Piste de danse. Tribune. Ah oui, il y en a beaucoup. Je sais pas s'ils voient grand chose ceux qui sont tout là-haut, mais. Exactement, c'est une salle où en fait faut être au premier rang pour voir quelque chose. C'est baisé. Ouais, il va falloir que je change de toute façon l'accès à la salle. Ouais. Ah oui, parce qu'il faut ressortir en fait. Ouais, faut ressortir. Non, mais on y arrive quoi. C'est vrai que c'est un peu petit, mais. On voit le spectacle avec des jumelles. On l'entend quand on est au fond. Ouais, t'as qu'à bien mettre des panneaux partout pour signer tes trucs, tu pourrais mettre des panneaux pour dire par où il faut aller. Et pour trouver l'escalier qui amène justement au petit balcon, c'est pas facile. Oui, bah non, justement, il faut que je fasse ça. Sinon vous faites éjecter.
La salle technique du métro. Ça, tu verras où est-ce qu'il faut couper tout le système. C'est des plans, c'est des lignes ? Ouais. Là, tu vois la position des cartes sur les lignes. Non. Voilà, c'est ça. C'est énorme. T'as un bouton pour tout couper. D'accord. Vas-y, actionne-le. Et ensuite, tu regardes sur tous les tableaux. Il faut que tous les points soient rouges partout. Il faut qu'ils soient tous allumés. Sur les quatre. Celui-là, celui-là. Ça va arriver. D'accord. C'est bon. Là, tous les cartes sont arrêtées dans les stations, en fait. D'accord. Là, tu peux relancer le serveur et quand tu reviens, faut remettre sur 20. Ok. Il y a des lumières qui restent. Enfin, tu vois, genre une station qui reste éteinte tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte qui arrive, donc tout est bloqué. Hop là, coucou. On va sur quelle île ? Parc d'attraction. Prends le prochain et je te suis. Je clique. Vas-y. Et allez, on va tous dans le labyrinthe, ouais. t'as prévu de la pellicule, Fred, pour filmer dans le labyrinthe, bah devine. Ah non, non. Non, on va faire les montagnes russes. Alors, Bast, si je me mets comme ça, c'est pour filmer doucement. Sinon, ça va trop vite. Hein. Marche, doucement. Donc la grande roue, elle s'appelle la grande roue. Pas de jeu de mots ? Bah si, c'est une grande roue. Non, il n'y a pas de jeu de mots. Ah oui, t'as mis des vitesses, j'ai pas testé depuis. Bah oui, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Merci Fred, j'allais dire. Hop. Et donc là, tout le monde peut y aller en même temps. Les vitesses ne sont pas foireuses, c'est fait exprès. Quand ça monte doucement, et quand ça descend, ça accélère. Je l'ai fait au moins 10 fois le parcours. Et c'est marrant, c'est la chute qu'il va y avoir après. Wow. Regarde bien, regarde la chute, regarde. Oui. Et ça continue. Ah, excellent, bravo. Malgré la chute. Est-ce que c'est lent au début quand même? Dans les vrais, c'est comme ça. Hein. C'est terrible. Pour faire monter la pression. Ouais. Excellent.
C'est Non mais t'es à la gare. Ville dans le désert, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai cliqué. En plus, après quoi, tu dis quand il fait nuit ou rien. Oui. Oui, bah, de toute façon, c'est vraiment un chantier. Hein. Je vais l'aménager suivant un plan que j'ai trouvé où j'ai, ouais, j'ai vu ça. L'intérieur. Je vais faire exactement pareil. Parce que j'ai les mêmes proportions, j'ai les mêmes dimensions. Donc j'ai fait ça hier soir. Tranquille. Quand je suis arrivé pour voir tes vaisseaux, là, j'ai changé les ailes et après j'ai fait ça. Sur ce, messieurs, je vous abandonne là. À demain, alors. Bonne nuit, à demain pour un petit 2 contre 2. Oui. Oui. Mais dans tous les cas, vu la taille de la map, ça peut être très sympa en 3 contre 3, je pense. Hein. Ouais, bah déjà, faut être 3 contre 3. Voilà. C'est bon. Allez, à demain. Salut. Ciao. Oui, à plus tard, Fred. Ouais, à la prochaine, Fred.